Bonsoir à toutes et à tous. Les amis, je suis très content de vous retrouver ce soir dans cet endroit qui est totalement dingue. Cet endroit qui fait quand même plus de 1000 hectares. Mais avant de vous dire où je suis exactement, je vais vous dire pourquoi je suis ici. Donc voilà, j'ai été invité par mon beau-frère et ma sœur dans un camping à Roulancourt. Voilà, logiquement j'étais là pour pêcher, faire de la pétanque ou même voilà, juste histoire de se reposer. Mais voilà, moi je voulais pas aller là-bas sans pouvoir vous faire profiter aussi de cette région. Donc voilà, on en vient les amis. Donc là les amis, je me trouve à Hesdin. Donc voilà cette région qui est magnifique, hein, comme je vous le disais. Et ici même, le 17 juillet 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme qui s'appelle Suzanne, qui avait 30 ans, est décédée malheureusement par un... C'est vraiment tragique ce qui lui est arrivé. Hein. Mais cette femme est décédée par rapport à une bombe alliée qui est tombé dans la forêt d'Hesdin. Donc voilà les amis, vous savez où ce soir je me trouve, dans la plus grande forêt d'Hesdin qui fait plus de 1000 hectares. Et vraiment je suis je vous le dis, je fais pas le malin, tout seul de nuit dans cet endroit, je vous dis, je fais pas le fier. Mais voilà, ce soir on va essayer de communiquer avec Suzanne, j'espère qu'elle nous répondra. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va essayer de communiquer avec Suzanne. Et vraiment, j'espère vraiment qu'il se passera beaucoup de choses. C'est parti. Ouais, les amis, vous pouvez voir. Mais je vous dis, c'est dingue. Seul de nuit, c'est pas évident. Franchement, si vous pouvez mettre des petits pouces bleus ou quoi, ça m'encourage en tout cas à continuer ces enquêtes pour vous. Mais voilà, aussi je voulais vous dire que logiquement je devais me diriger vers un arbre, donc un chêne avec voilà, une statue de la Vierge Marie dessus. Mais ce chêne a plus de 300 ans. Et j'essaie de trouver cet endroit depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. C'est complètement dingue. Et je sais pas si vraiment vous voyez. Donc c'est pour ça qu'après on passera aussi en vision nocturne. Là les amis, je vais sortir le K2. Et on verra ce qui peut se passer. Comme ça, non. Je sais pas si vous voyez. C'est dingue. Donc s'il vous plaît, je voudrais parler à Suzanne. Ah, le cas de fluctueux les amis. Si vous êtes là, continuez s'il vous plaît. Suzanne, est-ce que c'est vous? Oui. Vous voyez, il fluctue. Vous voyez. Est-ce que c'est vrai que voilà, vous êtes décédé ici pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer deux fois le K2 s'il vous plaît? N'hésitez pas. Mais j'ai pas encore trouvé le passage les amis, comme je vous disais. Ah, vous voyez, le K2 a fluctué. Ah, merci à vous. Merci à vous. J'espère que je l'ai filmé. Ah, vous voyez, Suzanne me répond. Donc vous êtes bien décédé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est bien ça. Hein. Ah, je vous jure les amis, c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez assez. On va essayer d'aller juste là, au niveau de la forêt. Vous pouvez voir. Wow.
Voyez, que de foutu. Merci. Merci à vous. Merci, Suzanne. Oh là là, je suis choqué, les amis, je suis tout seul. Ah, merci. Merci. Est-ce que... Comment dire ça? Est-ce que vous pouvez... Voilà. Continuez à faire fluctuer le K2. Même un PVE, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Et je vais sortir aussi mon téléphone. C'est une application auquel vous pouvez utiliser des mots. Donc l'Ovelus. Et aussi... C'est une application pour faire du bruit en touchant l'écran. Donc si vous pouvez faire tout ça, ce serait magnifique. Mais en tout cas, vous voyez hein, le K2, comment il fluctue, les amis. Merci à vous. Ah, vous voyez. Ah, regardez, il fluctue encore. Je me mets de l'autre. Regardez. Parce qu'on pourrait croire que c'est du côté là, mais non. Vous voyez, il fluctue pas. Refaites-le, s'il vous plaît. Du côté-ci, pour montrer que c'est bien vous. S'il vous plaît. Attendez, les amis. Je galère. Refaites-le fluctuer, s'il vous plaît. Ah, c'est dingue. J'espère que vous voyez assez bien, les amis. Je vais passer en vision nocturne. Eh oui, vous voyez le cas de fluctuer. Refaites-le, s'il vous plaît. Merci. Ah là là, je suis choqué, les amis. Donc, vous voyez que c'est bien Suzanne qui nous répond. Donc, Suzanne qui est décédée pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, comme je vous le disais, à cause d'une bombe alliée. C'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé, hein, parce que cette femme était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Excusez-moi, j'en perds mes mots, parce que même moi, au fond de moi, je suis tout, comme touché de cette histoire. Et voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez bien 30 ans quand vous êtes décédé ici, dans cette forêt? Est-ce que vous êtes vraiment décédé ici, s'il vous plaît, à l'âge de 30 ans? C'est ce qu'on dit sur Google. J'ai du mal un peu à tenir le... Attendez, je vais changer de bras, les amis. Je suis désolé. Ah, le 4 de fluctu. Ah, s'il vous plaît, refaites-le. Eh, vous voyez, les amis. Vous voyez. Donc, cette femme est bien décédée ici, à l'âge de 30 ans. Mais je trouve pas le... Là, bah, le chêne de 300 ans. Ah, je suis dégoûté, là. Est-ce que si je vous sors le l'Ovelus, vous pouvez... Ah, vous voyez. Ah, les amis, cette femme veut communiquer avec nous. Attendez, je vais sortir l'Ovelus. Merci à vous. Attendez, je vais poser le cadeau. Ah, c'est dingue, les amis. C'est dingue. C'est dingue. Complètement dingue. Je suis en pleine forêt. Regardez le cadeau. Regardez le cadeau. Je suis en pleine forêt. Oh là 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 là. Attendez. Regardez le cadeau, les amis. S'il vous plaît, refaites-le. Je sais pas si on l'a vu. Refaites-le, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, je suis tout seul, les amis. Je vais sortir l'application. L'Ovelus. Si vous pouvez communiquer avec l'Ovelus, sortir plusieurs mots pour essayer de faire comprendre quelque chose ou tout simplement voilà, communiquer avec moi. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît. Attendez, les amis. Ah, je suis choqué. Regardez le K2. Regardez le K2. Oh là 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 là. Attendez, les amis. Je vais activer l'application. Donc vous pouvez voir. Hein. Il est exactement 23h22. J'ai mis le mode avion. Et devant vous, je vais utiliser l'Ovelus, hein, encore une fois. J'espère que cette enquête vous plaira, les amis. Mais sachez que c'est pas évident. Seul de nuit, dans la plus grande forêt d'Eden. Sachez que c'est pas évident. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Vélus, hein. Encore une fois. J'espère que cette enquête vous plaira, les amis. Mais sachez que c'est pas évident. Seul de nuit, dans la plus grande forêt d'Eden. Sachez que c'est pas évident.
Je vous mets 120 secondes. Il s'est éteint. En 20 secondes, c'est parti. Essayez de communiquer, s'il vous plaît. Requise. Pourquoi requise? Le son de mon téléphone va pas. C'est dingue. Pourtant, il est monté, hein. Vous pouvez voir. Je sais pas si vous allez voir. Je vous jure que le son est montable, ok. Requise, c'est-à-dire. Parlez, s'il vous plaît. Essayez de me faire comprendre quelque chose. Pourquoi le mot requise reste? Ah, je suis. Franchement, là, c'est la première fois que ça arrive. Que mon téléphone n'a pas, vous voyez comme ça le dit, mais là ça m'a rien dit, et puis en plus de ça il est marqué requise depuis tout à l'heure. C'est marqué quoi là? Géora, je sais pas quoi là. Festin utilise, c'est-à-dire les mouches et les vers. Rist encore. Communiquez, s'il vous plaît. Allez-y. Il vous reste 27 secondes. C'est complètement dingue, les amis. Voigneur, c'est quoi? Voigner, je sais pas. Plus je galère, attendez. Hein. La séance elle finit. Bah, franchement les amis, j'ai eu quand même pour 120 secondes de beaux mots. J'ai vraiment envie de d'essayer tout tout de suite en fait. Comme vous avez pu voir le cas de fluctuer, c'est complètement dingue. J'espère qu'en tout cas je l'ai bien enregistré. Là, Suzanne, si vous êtes toujours avec moi, j'active l'application. Si vous touchez l'écran, voilà, ça fera de la musique. Donc n'hésitez pas à le faire. S'il vous plaît. Vous pouvez le faire, je suis tout seul. Et j'ai pas peur. Je suis là pour ça. Essayez d'avoir des réponses. Alors faites-le, s'il vous plaît. Regardez, je vais poser le téléphone, vous aurez qu'à toucher le téléphone. Je sais pas si je peux le mettre ici. Non, je vais pas le mettre là. Je galère. Je trouve pas de place. Je vais le mettre quand même là. Vous voyez? Si vous pouvez toucher l'écran, s'il vous plaît. Du téléphone. Et vous pouvez voir, je suis seul. Seul. Et sachez, comme je vous le dis, dans ces moments comme ça, on fait pas le malin, quoi. Touchez l'écran, Suzanne, s'il vous plaît. Je sais pas si vous allez voir. Vous pouvez toucher l'écran. Attendez, je vais essayer de passer en vision nocturne. Si on peut essayer de capter une silhouette, ce serait magnifique. Donc les amis, je vous dis dans quelques minutes, mais je laisse les applications allumées avec le K2. Et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Bon les amis, je vais passer aussi en vision nocturne, rapidement. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer que Suzanne est bien avec moi. Vous avez pu voir le cas de fluctuer, mais jusqu'au rouge, hein, et pendant très très longtemps. Donc là les amis, j'ai passé en vision nocturne, comme vous le savez. Mais le K2, on ne le voit pas, donc je vais l'éteindre. Et on va continuer avec l'application. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Allez, c'est parti.
savez, vous avez vu, le K2 qui a quand même pas mal fluctué. Donc pour l'instant, je vais l'éteindre, on va passer en visée nocturne. Et je vais tenir l'application. Comme ça, en même temps, si on peut essayer de bouger, d'aller voir un peu plus loin. Touchez l'écran, s'il vous plaît. Vous voyez les amis, je rigole pas, je suis vraiment dans la plus grande forêt d'Éden. C'est complètement dingue. J'ai envie d'essayer de repartir de l'autre côté. Mais je tiens l'application. Ne vous en faites pas. Si on entend du son, c'est... Vous aurez compris quoi. Donc là, comme je vous disais, je vais essayer de trouver l'arbre avec la statue de la Vierge Marie, mais qui date depuis 300 ans et c'est un chêne. Ah, je vous jure que c'est pas évident. Regardez-moi ça. Attendez, je tiens l'application, mais est-ce que... Attendez. C'est moi. C'est moi, excusez-moi. J'ai fait un peu le bordel. Oh, attendez, écoutez, attends. Je vais l'éteindre, on va avancer un tout petit peu. Essayer de voir... Si on peut essayer de capter une silhouette. J'espère en tout cas avoir enregistré des PVE. Après, comme je vous le dis, par rapport au bruit, je vais pas me positionner dessus. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs animaux dans cette forêt, comme des biches, des renards, toutes sortes d'animaux. Donc voilà, par rapport au bruit, je ferai pas de... Mais par contre, par rapport au PVE, silhouette, ou par rapport aux applications, là, je prendrai en compte et je ferai des analyses. Bon, allez, c'est parti, les amis. On va continuer à essayer de trouver ce chêne depuis 300 ans. Et comme je vous le disais, avec cette statue de la Vierge Marie qui est positionnée tout en haut. Allez, c'est parti. Vous avez pu voir le K2 fluctuer jusqu'au rouge. Même moi, j'en reviens pas, les amis. Il a vraiment fluctué jusqu'au rouge. Et vous pouvez constater que dans une forêt, il n'y a pas de câble d'électricité qui passe. Et c'est dingue. C'est complètement dingue. On entend un hibou. Dites-moi si vous voyez quelque chose derrière moi. Par contre, je sais pas où je vais. J'essaie de filmer comme ça. Vous pourrez voir, c'est dingue. Je fais un 360. Pour que vous puissiez voir aussi. C'est dingue. Après, je fais attention, comme je vous disais, il y a plusieurs animaux ici qu'on peut retrouver. Donc voilà, je préfère vous le dire aussi, hein, j'ai pris trois petits pétards. Mais c'est vraiment pour éloigner les bêtes, les animaux. Je suis pas là pour leur faire mal. Mais si vraiment j'entends quelque chose vraiment près de moi, je vais en jeter un. Hein, pour faire les fuir. Tout simplement en fait. Mais sans vraiment leur faire de mal. Et par la suite, je les ramasserai. Mais c'est vraiment si quelque chose s'approche de moi. Je
sais pas si vous voyez vraiment tout, tout. C'est tellement grand, c'est immense. Et franchement, je vous le dis, les amis, je fais pas le fier. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vous serez à ma place, vraiment, vous serez à ma place. Vous pourrez comprendre. Mais je trouve pas le chêne, c'est vraiment dommage. Vous pouvez vous renseigner, hein, il y a vraiment un chêne de 300 ans, c'est la forêt d'Eden. Et vous pourrez aussi, de toute façon, je vous passerai pendant, avant l'enquête, au début de l'enquête, tout ce qui est arrivé à Suzanne. Je vous donnerai toutes les informations sur ce qui s'est passé. Comme ça, on ne pourra pas dire que, voilà, que je fais du fake, pas du tout. Tout ça, je le fais pour vous. Pour que vous puissiez aussi être des petits enquêteurs, entre guillemets. Pour que vous puissiez faire, voilà, vous aussi, votre propre opinion par rapport à l'enquête, comment elle se déroule, voilà, ce que vous verrez, ce que vous entendrez. Voilà. Tout ça, c'est important aussi. Hein. En tout cas, je fais ça, c'est vraiment pour vous, les amis. Bon, écoutez, ça fait quand même au moins 1 km là, que je marche, je trouve pas. Bon, 1 km entre guillemets, hein, peut-être j'ai fait 500, 600 mètres, mais c'est pas évident. Il peut être où? Moi je sais qu'il est dans la au niveau de la forêt, mais le seul problème en fait c'est que j'ai pas encore vu de passage pour partir sur le côté. Et je crois que c'est encore tout au fond. Oh là là, c'est quoi ça? Oh putain, la flip. Oh. Ah, je vous jure que je viens de flipper là. Ah, il y a toutes sortes d'animaux aussi, hein, faut... Donc je fais attention aussi, on sait jamais. Pour ça, faut pas le reproduire. Vraiment, je suis seul, mais faut pas le faire. Hein. Vraiment, les amis, venez pas dans des endroits comme ça, tout seul. Je le fais, c'est vraiment que... Moi, personnellement, ça... Voilà, je le fais parce que vraiment, c'est une passion. Mais vous, non, faites-le pas. Là, je trouve pas, je vais encore continuer, allez 100 mètres, mais si je vois qu'il n'y a rien, je fais demi-tour parce que logiquement il y a un passage, mais regardez, comme vous pouvez voir, il c'est rempli de végétation, ça fait que j'ai du mal aussi à le trouver, c'est peut-être ça. C'est dingue. J'espère que cette enquête vous plaira, les amis. Mais c'est dingue, c'est dingue. Ah, il y a un passage ici. Ah, ben j'ai trouvé, je pense, les amis. Oh là là. Vous voyez, je suis content là. J'espère que c'est ça en tout cas. Mais comme je vous le disais, il y a un passage sur le côté. Bon, maintenant, plus qu'à y aller. Espérons que c'est là. Mais en tout cas, j'espère que vraiment cette enquête vous plaira. Et n'hésitez pas aussi, hein, comme je vous le disais, c'est important. Vous me dites ce que vous voyez ou ce que vous pouvez entendre. C'est, ça pourrait m'aider aussi pour les enquêtes. Allez, c'est parti, les amis.
J'étais sûr qu'il y avait un passage. Bon, en tout cas, ah, franchement, je vous le dis, je fais pas le fier. Suzanne, est-ce que vous êtes toujours avec moi? S'il vous plaît. Je vais sortir l'application. Donc si vous pouvez toucher l'écran, ce serait cool. Ce serait pour montrer aux personnes qui regardent mon émission. Cette émission, j'essaye de la faire évoluer. Et c'est pour vous, les amis. Vraiment, c'est pour vous. Donc voilà, Suzanne, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vais sortir l'application, donc si vous pouvez tout simplement toucher l'écran. C'est complètement dingue. Mon application galère. Oh là 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 là. C'est pas normal. Je vous jure que c'est pas normal. Elle veut pas se mettre. Oh, c'est dingue. Ah non, mais là. S'il vous plaît. Elle veut pas se mettre. Elle veut pas s'allumer. Eh ben dommage les amis, je repasse en Novelus. L'autre application, je sais pas. 120 secondes. Suzanne, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Essayez de communiquer avec moi. Engin. Engin. Où? Engin, c'est-à-dire? Nous sommes là pour vous. Ah. Rationnel. Oui. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes là pour moi, et si c'est rationnel, comme vous le dites, excusez-moi, j'en perds mes mots encore une fois, qu'est-ce que vous voulez me dire justement par là? Continuez, s'il vous plaît. Karma Copyright Lit. Karma Lit. Refuez. Refuez. Continuez. N'hésitez pas. Ah non, mais là, ça part trop loin. Ah non, mais là, c'est... Chante. Chante? Chante? Pourquoi? Vous voulez que je chante? C'est ça? C'est encore trop loin les amis, je fais demi-tour. Ça tombe, je me suis trompé. Je vous le dis, c'est complètement dingue ici. Ça fait plus de 1000 hectares. On peut s'y perdre facilement. N'hésitez pas, s'il vous plaît, 14 secondes. Substitution. Substitution, c'est-à-dire. La copyright chamarque déposée née. Déposée née. Vous voulez me dire quoi aussi par là? Parce que franchement, là, j'ai pas compris. Bah, c'est fini. Les amis, j'enlève pour l'instant l'application. Vous avez pu voir les réponses que j'ai eues. C'est complètement dingue. Et l'application ne s'est pas éteinte? Non. Ah, je vous jure que c'est pas évident. Et vous pouvez voir que j'ai éteint l'application devant vous. Et elle a ressonné juste après. Je dis pas que, mais c'est dingue. C'est dingue. Et vous pouvez voir aussi l'Ovelus. Retenez les mots aussi. Hein. Et essayez d'en faire je sais pas, une phrase ou
ou essayer de comprendre vraiment avec tous les mots ce que cette personne essaye de nous faire comprendre, tout simplement. Mais je vous jure que c'est pas évident. Je vous jure que c'est pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en vision normale, les hommes. Allez, c'est parti. Bon, j'ai remis la vision normale. Comme ça, je vais encore une fois utiliser le K2. Mais vraiment, là, je commence à perdre patience aussi, hein, parce que vraiment, j'essaye de trouver quand même depuis longtemps cet endroit, mais l'arbre, avec, comme je vous disais, la statue de la Vierge Marie, mais je le trouve pas depuis tout à l'heure. Je me suis peut-être trompé d'aller. Comme je vous dis, c'est grand ici, hein, c'est dingue. En tout cas, j'espère que cette enquête vous plaît. Bon, attendez. Je me suis pris dans des arbres. Moi, les amis, je crois que je vais faire demi-tour. Ça ne mène à nulle part. Hein. Tant pis. Je suis déçu, en tout cas, de pas avoir trouvé l'arbre avec la Vierge Marie. Mais en tout cas, renseignez-vous. Et vous verrez que je mens pas. Oh là là, l'application vient de sonner. Vous voyez? Oh là 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 là, je suis choqué. Vous pouvez voir, c'est éteint. Oh là là. Regardez. C'est éteint. Oh là là, je suis choqué là. C'est complètement dingue ce qui vient d'arriver là. L'application est fermée et mon téléphone sonne. Ah là, franchement, je suis choqué là. Ah non, là, je suis choqué là. Ah là là là, non, non. Ah, moi, je m'en vais là. Il y a un truc qui va pas. Je m'en vais. Ah, je rigole pas, les amis, pour que l'application sonne comme ça là. Est-ce que c'est vous, Suzanne? Je vais sortir le cadeau. Je vais demander si c'est Suzanne ou pas. Ah, parce que là, je suis choqué là. Est-ce que c'est vous, Suzanne, qui faites fluctuer le K2 là, et qui avait fait bipper mon application, qu'elle était fermée pourtant? S'il vous plaît, je voudrais savoir si c'est vous. Faites fluctuer le K2 deux fois pour dire que c'est vous et une fois pour dire que c'est pas vous. S'il vous plaît. Allez-y. En tout cas, j'espère que vous voyez assez bien, les amis. Non, il y a un truc qui va pas là. L'application, elle devrait pas s'allumer comme ça. Ah, franchement, le jeu, même moi, je. Attendez, j'ai un peu de mal à tenir le caméscope. Parce que c'est un kit complet, hein. C'est assez lourd. J'ai entendu deux tapements. Ça peut être des animaux comme je vous le disais, mais c'était comme si on a tapé dans l'arbre, en fait. Est-ce que c'est vous? Ah, c'est dingue, vous pouvez. C'est sans forêt, c'est complètement dingue. Est-ce que c'est vous, Suzanne? Il a fluctué une fois. Ça veut dire non. C'est pas vous, Suzanne? Qui avait activé l'application. Pourtant qu'elle était fermée. Hein. C'était pas vous. Refaites le fluctuer une fois, s'il vous plaît. Pour dire que c'est. Pour dire simplement que c'est pas vous. S'il vous plaît. Prenez l'énergie des lampes. Alors il fluctuait comme vous avez pu voir, c'est vraiment dingue. J'ai franchement, j'ai pour l'instant, j'ai que le mot là.
Parce que c'est ce que je vis là, c'est vraiment fou. C'est dingue. Suzanne, est-ce que c'était vous ou pas? S'il vous plaît. Je voudrais juste savoir si c'est vous qui avez activé mon application, pourtant qu'elle était fermée. Dans le cas de foutu. Ah non, là, je... Attendez les amis. Ah, je vous jure que c'est un truc de fou. En plus, je vois pas où je vais. Je me sens vraiment un peu, quand même assez faible. Après, j'y pense aussi d'avoir marché autant de temps. Ça fait quand même plus d'une heure que je suis là. Hein. Une heure et demie à essayer de trouver. La fameuse statue avec le chêne. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et c'est pour ça que là je fais demi-tour. Hein. Ça y est. Moi, je reviendrai 2 jours. Et là je voulais faire cette enquête de nuit hein, directement pour vous. Comme je vous disais, j'ai été invité par ma soeur et mon beau-frère. Donc voilà, pour vous, je voulais vous faire vivre l'expérience de nuit, tout de suite. Mais je reviendrai quand je pourrai, hein, parce que c'est assez loin de... d'où je vis actuellement, mais je reviendrai ici hein, quand je pourrai, 2 jours, pour vous montrer vraiment les lieux, qu'on puisse aussi trouver ce fameux chêne, hein, comme je vous le disais, parce que là je suis quand même assez déçu, mais au bout d'une heure passée, là je suis crevé, donc j'y vais. Bon, allez, c'est parti les amis, on continue un tout petit peu et après j'arrête cette enquête. J'espère que vous voyez assez bien. Bon, les amis. Là, je vais. C'est vraiment pour éloigner les animaux. Et que voilà, je les ai pas achetés aussi pour rien. Donc je vais tout simplement les faire péter ici. Les fameux pétards que j'ai achetés tout à l'heure. Mais c'est des petits, hein. Mais c'est juste pour éloigner tous les animaux qu'il y a aux alentours. Ne vous en faites pas, je suis pas... Ouais, c'est parti. Je pose 2 secondes le caméscope, hein, vous allez voir. L'herbe pour l'instant. Donc voilà, pour pas que les personnes fassent polémique par rapport à ça. Ne vous en faites pas, hein, je suis sur une petite dalle en béton là. C'est bétonné ici. Hein. Et je vais claquer ici les pétards pour justement éloigner les animaux. Pour qu'on puisse un peu continuer. On sait jamais. Je préfère faire ça, on sait jamais. Et aussi voilà, vous pouvez voir, hein, c'est des petits. Hein. C'est parti les amis. Je repose le caméscope. Et je les lance. Je vous montre. C'est des petits. Hein. Donc je vais juste les faire ici comme je vous l'ai dit. Mais je veux pas vraiment blesser les animaux. Je suis pas comme ça. Donc ne soyez pas. Moi je suis prudent aussi. Hein. Je peux me faire attaquer. J'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose en pleine nuit, en pleine forêt. Donc voilà, je le fais et puis on continue cette enquête. C'est parti. Vous allez peut-être rien voir pour l'instant.
sais pas si c'était fort, mais pourtant c'est un tout petit. Hein. Donc j'en ai fait un. Je sais pas si je vais faire les autres. Hein. Je trouve qu'il y en a assez. Les autres, je les range. Il y a pas de... Comme ça, au moins, vous pouvez voir que je suis pas là pour justement. J'ai fait ça parce que là, je suis vraiment en pleine forêt. Et j'ai pas envie qu'une bête m'attaque. Et comme vous pouvez voir, je l'ai jeté là sur le sol. Donc il n'y a rien. En tout cas, je vois pas où je vais là. Je suis fatigué, je vous le dis. Mais vraiment, ne... J'espère que personne ne dira rien par rapport à ce que je viens de faire. Hein. C'est pour qu'il m'arrive rien non plus. Hein. Comme vous pouvez voir, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je fais un 360. Vraiment, je suis tout seul. Donc, comme je vous disais, c'était juste pour éloigner les animaux. Sans leur faire du mal, bien sûr. Je suis pas comme ça. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette enquête vous plaît. Je vais ressortir un peu le canot pour voir si Suzanne est toujours avec nous. Peut-être qu'en faisant claquer le pétard, ça a peut-être refait... je sais pas comment vous expliquer ça. Qu'elle a revécu la chose en fait, Suzanne, par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc j'espère vraiment que, voilà, si vraiment, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est ce qu'elle a voulu nous faire comprendre justement. Donc on va voir ça avec le cas de Suzanne. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? J'ai pas fait ça pour vous faire peur. Mais juste éloigner les animaux qui pourraient éventuellement m'attaquer. Donc voilà, si vous pouvez tout simplement faire fluctuer encore une fois le K2 avant qu'on termine cette enquête, s'il vous plaît. Une dernière fois, s'il vous plaît. Attendez les amis, parce que comme je vous le dis, à force c'est lourd. Allez-y, s'il vous plaît. Refaites-le fluctuer comme tout à l'heure. Jusqu'au rouge. Une dernière fois. Et je vous laisse tranquille. Suzanne. Montre aux personnes que vous êtes toujours ici. S'il vous plaît. Ah, c'est pas évident, les amis. Je vous jure que là... Mais je sais pas si vous... Mes lumières, ils commencent à s'affaiblir. Bon, pour l'instant, plus de... Le cas des feux que tu pues. Bon, je l'éteins. En tout cas, voilà les amis. J'espère que cette enquête vous aura plu. Oh, attendez. J'en peux plus. Là, franchement, je suis claqué. Là. Je sais pas combien de temps il me reste pour arriver jusqu'au véhicule. Je sais que c'est encore, ça va être long. En tout cas les amis, j'espère que cette enquête vous aura plu. Vous avez pu voir que Suzanne nous a répondu avec le K2. Il a fluctué jusqu'au rouge. Et vraiment, même moi je suis choqué par rapport à ça. Et aussi l'Ovelus, où on a eu pas mal de réponses. Moi je tarde pas parce que vraiment ici, on sait jamais, j'ai pas envie de me faire attaquer. Par je sais pas quoi. Bon, en tout cas les amis, voilà, je sais pas si l'enquête a duré longtemps ou pas, mais moi j'ai marché plus de, comme je vous disais, plus d'une heure et demie. Là je suis, ça y est, j'en peux plus, je suis claqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette vidéo, cette enquête. Et en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez vu ou entendu.
Et aussi, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Mettez des pouces bleus, ça m'encourage. Et abonnez-vous. Je fais ces enquêtes pour vous. Et j'essaye vraiment d'améliorer mes enquêtes au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. J'essaye vraiment de capter des résultats concrets. Y a pas de fake. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir même les autres enquêtes que j'ai pu effectuer jusque-là. Mais en tout cas, voilà. J'espère qu'en tout cas, tout ça vous aura plu. Donc, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser là. Et on va se retrouver pour la toute nouvelle enquête. Allez, ciao.